Coucou! Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo des colos du mois de décembre. Donc, j'ai commencé avec celui-ci dans le livre de Kirby Rosanes. C'était pour un défi sur le groupe de Toki. Donc, c'est Kirby Rosan FR. D'ailleurs, je vous invite à rejoindre le groupe si vous coloriez de temps en temps du Kirby. Ça peut être sympa de partager vos mises en couleur. Donc, là, j'ai réalisé les poupées russes. Je les ai fait entièrement avec des stylos gel métallique, des stylos gel paillettes. En crayon, j'ai utilisé les Prismacolor. Et pour le fond, j'ai utilisé du pain de pastel. Voilà. Elle avait fait un petit défi pour que ce soit la photo de couverture du groupe. Donc, comme ça, j'ai participé avec celui-ci. Donc j'ai bien aimé le faire, mais franchement, c'est pas mon univers. C'est des dessins qui sont très longs à faire. Dans ce livre, j'ai fait celui-ci, la couverture. J'ai fait... Il y en a quelques-uns que j'aime pas du tout. J'avais fait celui-ci pour Octobre Rose. Pareil pour le groupe de Toki. Après, j'avais fait... Arrête Donna, j'avais fait celui-ci, alors celui-ci je l'aime pas du tout. Je trouve que je l'ai complètement foiré. Après, j'avais fait la maison, alors c'est mon préféré. La maison de poupée. J'avais fait l'astronaute, bon lui ça va, j'ai bien aimé le faire. Ça, vous voyez, ça a transpercé. Par contre, ce livre, je ne trouve pas top pour l'aquarelle. Surtout quand c'est de l'aquarelle bien pigmentée. J'ai fait celui-là. J'ai fait les chaussures. Ça, c'est un de mes préférés aussi. Mes deux préférés, c'est la maison en double page et celui-ci. Et c'est tout. Voilà. Donc, bon, après, c'est un super livre et tout. Mais c'est vrai que c'est pas mon univers. C'est beaucoup de détails pour... Donc oui, c'est beaucoup de détails et du coup, bah, pour la plupart du temps, je dois utiliser la loupe. Donc c'est quand même un peu moins confortable que ce dans quoi je vais d'habitude. Mais j'aime bien de temps en temps pour faire des duos avec ma copine Toki. Voilà. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Donc ça, c'est dans un livre de Chéri Baldi. Je l'ai réalisé avec les... Tombow. Je l'ai fait avec les Tombow. Ou non, peut-être pas. Parce que je l'ai imprimé sur du layout. Donc non, je crois que je l'ai fait avec les graphites. J'ai dû le faire avec les graphites. Ouais, je l'ai fait avec les graphites et j'ai fait la peau avec les nouveaux marqueurs skin tone que je vous ai montré. Et j'ai fait le fond avec du pain de pastel. Après, j'ai été chez ma chouchoute, Grazia Salvo, dans le Wild Soul. J'ai fait celui-ci. Donc, je l'ai fait entièrement au Albrecht Dürer. Donc, le fond était déjà comme ça, donc j'ai pas touché. Et après, à côté, j'ai fait un fond pompe pastel et j'ai mis de la bombe argentée. J'ai bien aimé le faire. J'en ai déjà fait pas mal dans celui-ci. Hop. J'en ai déjà fait quand même quelques-uns. Après, bah, ceux qui me restent, c'est pas les plus faciles. Celui-là, je crois que je vous l'ai montré dans la vidéo des colos du mois de novembre. Hop. J'ai pas mis la perche. Tac. Ouais, il m'en reste quand même quelques-uns à faire. Hein. Mais j'ai tous aimé les faire et ils sont tous vraiment magnifiques, ces colos. Enfin, ces dessins, pardon. Donc voilà, il m'en reste quand même quelques-uns à faire. Et je vais me mettre pas mal dedans là parce qu'elle va avoir son nouveau qui va sortir. Donc du coup, je sais que celui-là, je peux le finir. C'est un super livre. Et là, hier, j'ai fait celui-ci dans le mascara de Mardel Rubio. Donc je l'ai fait entièrement aux Albrecht Dürer également.
Et j'ai mis à droite, à gauche, donc sur le diamant du haut, là, j'ai mis du sparkle. Sur les trois petits diamants bleus, j'ai mis du sparkle aussi. Et tout le reste, j'ai mis du stickles. J'ai fait le contour des fleurs avec du stickles, c'est des petits points. Contour des fleurs, contour du masque avec du stickle vert. Le petit collier. Arrête, Donna! Avec du stickle également. Et là. Tout le reste, même la peau, je l'ai fait avec les Albrecht aquarelles. J'ai adoré le faire. Et dans celui-ci, j'en ai pas fait beaucoup. Parce que c'est pareil, il y en a, ils ont beaucoup, beaucoup de détails. Du coup, je galère. J'ai fait celui-ci en 2019. J'ai fait celui-ci. Bah, celui-là, on l'a fait en vidéo ensemble. Et je crois que j'en ai fait un autre aussi. Il semble que j'en avais fait un autre, j'ai dû le rater. J'avais fait une espèce de poupée. Ah, c'est peut-être celui-là. Voilà, j'avais fait celui-là. Omar Coronoir en 2019 aussi. D'ailleurs, j'ai arrêté de mettre les dates. Il faut que je les remette parce que c'est pratique de savoir quand on a fait les colos. Donc voilà déjà pour cette demi-première semaine de décembre. Avec le confinement, du coup là je carbure en coloriage. Ah, c'est basique ça à faire. Puis vu que je suis enceinte, là je suis à mon 8e mois. Donc je commence à plus pouvoir trop me bouger comme je le veux. Donc du coup, bah c'est séries, télé, lecture, ménage, repassage et coloriage. Voilà. Et courses. Et des petites balades avec Fifina. Voilà. Qui se fait sa toilette pendant 3 ans. Voilà. Et j'ai commencé à monter des meubles. Et j'ai monté le petit berceau de ma fille qui est là. Là, j'ai déballé le parc. Il va falloir que je le construise, mais ça, je le ferai au dernier moment. On a fait son lit. Et puis, j'ai commencé à acheter quelques body, quelques pyjamas. C'est trop mignon, c'est tout petit, c'est trop rigolo. Donc, voilà. Bah là, je vais attaquer, je pense, un autre petit colo. Mais je ne sais pas trop dans quel livre. Je vais voir. Là, je vais d'abord commencer par faire mon ménage. Et après, j'attaquerai un petit colo. Voilà, gros bisous. À tout à l'heure. Alors là, je viens de terminer celui-ci dans le Kirby Rosanes. Donc, c'était pour le défi fond sur le groupe de Toki, Kirby Rosan FR. Donc, j'ai fait le fond avec le feutre métallique Action, les petits points au Posca. Et tout le reste, je l'ai fait au Prismacolor. Et j'ai mis un petit peu de sparkle sur les flamants. Voilà. Ensuite, j'ai fait dans ce livre-là celui-ci. Je l'ai fait au graphite entièrement, la peau. Il n'y a que le fond que j'ai fait avec un pot sparkle pour que ça brille. Donc, j'ai tout fait au graphite. Et il me semble que j'en ai fait un autre. Dans ce livre-là, attendez, je vais le prendre. Voilà, c'est celui-ci que j'ai fait également. Pareil, hein, j'ai tout fait au graphite. Le fond, je l'ai fait au Posca avec des petits points artistraux. Entièrement au graphite. Ensuite, en fait, j'avais oublié de mettre une feuille en dessous celui-ci. Du coup, sur la peau de cette poupée-là, bah, j'avais du vert ici. Même sur la peau et tout, et du rouge ici. Donc du coup, faire une peau claire, c'était pas possible. Donc du coup, j'ai tenté de faire une peau black, et je l'ai entièrement réalisé au graphite, sauf l'anneau là que vous voyez. J'ai mis du sparkle violet et le fond peau sparkle bleu. Voilà, tout le reste j'ai fait avec les graphites et de l'artistro. J'ai mis un petit peu de sparkle sur la boucle d'oreille là. Et un petit peu de sparkle sur les gants. Donc, voilà.
Et après, je crois que pour ce livre, c'est tout. Je vais vérifier. Celui-là, on l'avait vu. Celui-là aussi. Ah oui, il y a peut-être celui-là que je ne vous ai pas montré. Celui-ci, pareil, je l'ai fait entièrement avec les graphites. Et j'ai fait le fond avec les post sparkle également. Celui-là, c'est le premier que je vous ai montré. Et celui-là, on l'avait déjà vu. Voilà, donc pour ce livre, j'ai fait donc cela. Ensuite, j'ai fait... j'en ai fait une partie avec vous. J'ai fait le fond avec vous dans celui-ci. Donc, c'est Imaginary Friends. Donc, j'ai fait toute la poupée avec les crayons Holben et la peau. Je l'ai fait avec les marqueurs Action. Et le fond, je l'ai fait avec la peinture paillettes Créalia. Et j'ai mis de la bombe de paillettes. Donc ça, on l'a fait ensemble en vidéo dans le haul en live. Voilà, et un petit peu d'artistro. J'ai adoré le faire. J'adore ce livre. En plus, le papier, il est tout simplement magnifique. Il n'y a qu'un colo par page. Du coup, vous pouvez absolument tout utiliser sur ce livre. Il n'y a rien, il n'y a aucun matos... que j'ai utilisé sur ce livre qui passe pas quoi. Donc franchement c'est un livre passe-partout au niveau du matos, je l'aime beaucoup. Et là j'ai fait un duo avec Joël sur Facebook. Donc je l'ai fait entièrement avec les Lightfast pour la poupée. Et sur le chapeau j'ai ajouté du Sparkle Po avec les petites étoiles dans les peaux. Et sur le petit nœud également. Et sur la chemise, parce que je voulais vraiment la faire tenue de soirée, mode Noël ou jour de l'an, j'ai mis du sparkle transparent sur le chemisier. Et le fond, je l'ai fait avec l'acrylique Créalia. Et pour les étoiles, j'ai pris le nouveau embellissement et je l'ai fait avec un tampon à maquillage pour mettre les petites étoiles et un pochoir. Donc, je vous montrerai, parce que vu que j'ai pas de spatule, du coup, j'ai fait avec des espèces de grosses mousses à maquillage et ça a très très bien marché. Donc voilà, j'adore ce colo. C'est un dessin de Julia Spiri et j'aime beaucoup. Voilà. Donc j'ai tout fait au Lightfast, les cheveux, la peau, le chapeau. Voilà, j'ai juste ajouté des petits brillants sur l'habit de soirée et le chapeau. Voilà. Là, dans le livre de Genovia, j'ai fait celui-ci. Donc, j'ai fait toute la poupée au Lightfast, hein, les cheveux, la fleur, le petit chat, et j'ai fait la peau avec les palettes Jan Davenport, comme j'avais fait la peau pour celui-ci. Celui-ci, je l'adore avec le petit chat. Hein. Et j'ai fait les petites bijoux Stickles. Et le fond, je l'ai fait avec l'acrylique Créalia. Et j'ai utilisé un pochoir et la Nuvo Mousse Embellissement pour faire le fond. Ça, je l'ai fait en vidéo, vous l'avez sur la chaîne. Après, ça faisait longtemps que j'avais pas été dans ce livre-là. J'en avais fait qu'un seul. C'était celui-ci en double page. J'avais fait entièrement au Holben et au pan pastel. Et là, j'ai fait celui-ci. Je l'ai fait entièrement au Lightfast. Et j'ai fait le fond avec de la peinture Créalia bleu-gris. Et j'ai utilisé un pochoir avec le Nuvo Or pour les lanternes. Pour les petites lampes. J'ai adoré le faire. Je me suis vachement éclatée. Alors là, je viens de terminer ce colo-là dans le Queen of Poland. Je l'ai fait entièrement au Albrecht Dürer et j'ai fait le front avec des pommes pastel. J'ai tout fait au Albrecht Dürer. La peau, les papillons, tout, tout, tout. Il n'y a que les petits effets là que j'ai fait avec des stickers. Donc dans ce livre-là, j'ai fait que celui-ci. Après, j'ai fait celui-là que Sab m'a envoyé.
Et justement, je l'ai fait en vidéo puisqu'on a découvert le colo-test avec les Tombow marqueurs alcool. Et j'ai fait le fond avec la peinture Créalia. Donc ça, c'est de cet artiste-là que vous pouvez retrouver sur Insta. Ensuite, j'ai fini celui-ci qu'on a découvert lors des quiz coloring. J'ai fait le fond avec de l'aquarelle et un petit peu de sparkle. Des stickles. Et j'ai fait la peau avec les palettes Jeanne Davenport et tous les cheveux, l'hippocampe et tout ça, j'ai fait avec les Light Fast de chez Davent. Voilà. Je l'aime bien ce livre-là, j'en ai quand même fait quelques-uns dedans. J'en ai fait quand même quelques-uns. Il m'en reste, hein, mais je l'adore. Hop. Alors, donc là, j'ai terminé celui-ci dans le Wild de Cat. C'était pour tester les Dervent Intense. Je l'ai fait en vidéo d'ailleurs, vous les retrouvez sur la chaîne dans la vidéo, on découvre ensemble les Dervent Intense. Et j'ai fait le fond avec les mousses Nuveau et les paillettes Nuveau. Ensuite, alors j'ai lancé un challenge sur mon groupe Facebook à la découverte des artistes. Et on doit toutes choisir une artiste pour le mois de janvier. Donc moi j'ai choisi Karolina Kubikowska. Donc tout ce mois-ci je vais colorier dans ses livres. C'est un petit défi afin d'avancer justement dans nos books. Donc j'ai réalisé celui-ci. Je l'ai fait entièrement avec les crayons Museum et du Stickles. Et un petit peu de Posca. Donc ça, c'est dans le Ticket to Dream. Hop. Ensuite, j'ai fait celui-ci. C'est la page d'accueil du Imaginary Friends. Je l'ai fait avec les mousses Nuveau et les Dervet Intense pour la fleur et les feuilles. Voilà. Alors là, je viens de terminer celui-ci dans le Ticket to Dream de Karolina Kubikowska. J'ai réalisé tout avec les luminances et le fond avec les crèmes Nuveau. Ensuite, toujours chez Karolina, j'ai fait celui-ci. Je l'ai fait avec les Holben et j'ai fait le fond au pan pastel. Et j'ai fait celui-ci avec les Intense. J'ai fait le fond avec les mousses Nuveau, des strass, du blue pen et du stickle. Et j'ai fait celui-ci avec du pan pastel. Les crayons, j'ai pris les Light Fast et de l'artistre au blanc.